Et salut tout le monde, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude et je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pokémon Omicron. Je ne sais pas du tout lequel c'est, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, depuis la hype de Pokémon Soleil et Lune qui est apparue maintenant, je n'ai pas beaucoup pris le temps de checker les infos dessus. Et donc, je préfère reprendre ce Let's Play. Il y aura les autres, bien sûr, qui vont suivre. Pokémon Prism, Pokémon Bloody Platinum aussi. Et voilà, donc je suis content de vous retrouver sur ce jeu maintenant qui, les graphismes sont un peu étranges. Donc, on en était... Oui, on venait de gagner notre 5e badge, si je dis pas de bêtises. Ou 6e. 5e. Et je sais plus ce qu'on devait faire... Je crois qu'il y a un truc en bas. Ah oui, c'était toujours fermé. Alors, bon, tu me gênes. Casse-toi. Allez. Oh, les PNJ des fois. Donc, je crois qu'il faut aller par ici. Voilà, c'est ça. Floffy, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est moi, Jérémy. Tu te souviens, l'assistant du professeur. Maintenant que tu as déjà 5 badges, tu es devenu clairement un dresseur formidable. Est-ce que tu es d'accord pour un combat amical? Si tu gagnes, je te donne la 16 surf. Bon, je prends, écoutez, la 16 surf, c'est pas mal. Allez, entre Voltali. Ah, ça fait bizarre de reprendre. Oh là là, plus violent. Coup de jus. Voilà. Ok, je perds en vitesse. Je sais pas si je suis encore. Je sais pas si je tue. Non. Ouh. Il veut fight le Misdivule. Il veut fight le Misdivule. C'est pas grave, on est chaud. Alors, waouh. Je... Étonnement. C'est pas grave, je suis un peu débile. Alors, allez, feinte. Ah. 966. Magma, on change. C'est qui a pris sa place? What? D'accord, il a tout décalé. Absol. Ok. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? Allez, tranche. Nice. On est bon. Tranche encore. Deux shots, c'est bon. Et super corps dedans. Bon, c'est pas gênant. Et Nidorino. On reste. La brûlure qui fait encore un peu mal, qui a été nerfé d'ailleurs depuis sur Soleil et Lune. Du coup, j'ai un Nidorino, on va mettre un Jaspic. Ouais, c'est un peu risqué puisqu'il est type poison, donc ça devrait le faire. Ok. Allez, plaquage. Ah, je suis empoisonné. C'est bon. Ah, il fait mal. Hein. Et plaquage, on termine. De toute façon, on est au-dessus. Hein. Clairement, on risque pas de perdre. Ok. Sois bleu. On va rester, c'est pas grave. Ah, sur vous c'est Titan, d'accord. Super. Bon bah plaquage, hein. Le reste ça ne fera rien.
Je pense qu'on tient. Ah, mais c'est bon. Okay. 440 et on a fini. C'était un beau combat. Oui. Fantastique combattant. Prends ça, tu l'as mérité. Yes. Le Team Olympus est à Ladogata, à l'est. Tu devrais pouvoir enquêter. Je ne les crois pas. Peu importe, je te verrai plus tard. No problème. On va se soigner. Pokémon au prix tarif. Et on va pouvoir avancer. Qu'on m'écoute en fait. Okay. Alors, toi, on va te mettre devant. Un coup de ici. Au cas où il y a un combat de. Je vais apprendre surf aussi à. Aïe pour moi. Je vais y aller. Et on va l'enlever. Bon, allez, ça. Je sais toujours pas le nom d'attaque en français, mais c'est pas gênant. Puis là, ça fait tellement bizarre de retourner sur un jeu comme ça. Avoir torché Soleil et Lune, enfin Pokémon Lune pour ma part. Allez. Hippo. Est-ce qu'il y a du dresseur dans le coin? Non, il y a des Pokémon Flash. Oh, ça vaut pas la peine. Ah, je vais fuir. Je vais pas gaspiller des PP pour ça. À la limite, c'est un dresseur. Voilà. Bonjour. Oh, un combat, vraiment. Je suis en premier d'entraînement. Pourquoi tu viens m'agresser alors? C'est toi qui a eu. J'espère que je tombe sur ce petit micro et vol. Lame feuille, il va faire prendre des dégâts. Ah oui, les 10 abris. C'était cool pour t'acquérir. La cage. Gros dégâts. Il est stylé l'attaque. Tentacle. Non, au poison. Je vais vraiment tout prendre sur la gueule. Et giga sensu. C'est tout. C'est quoi, c'est bouclier ça? Phytomycin. C'est bien ça, ouais, c'est phytomix. Lame feuille. Ça augmente sa défense de toute façon. Oh, le coup critique. Nice. C'est bon ça. Coil. C'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est. Ah, une tech poison. Ah oui, non. Ouais merde, et bah là on va rester. Waouh, tu vois que l'image est pas du tout pas du tout modifiée. Brume. Ok, c'est bon. On est bon. Et on continue. Ah, cette musique, elle m'a manqué un peu de fois. Mais je m'arrive, il est là pour casser les bouches, lui. Ah, il est solide.
qu'il a raté. Ah oui, j'aurais peut-être pu mettre un coup. Ok. Allez, on va mettre un coup pour qu'il gagne des levels quand même. Pour pas qu'il soit trop tard. Il va apprendre le tard, mais c'est pas grave. Je peux toujours m'entraîner avec la base secrète. Non. Hé, tu me regardes ? Oh, c'est... J'ai pas fait gaffe. Pas de soucis. Allez, coup de jus. Ça va pas venir. Ouais, ça va. Ah, cocotique. C'est beau bombe. On flinch. Yes. Encore. Yes. Allez, tu vois, il suffit de demander. Allez. Barbichard avec un Voltali, bim. What you gonna do? Je quitte tellement cette musique. Alors, tranche. Tranche. Voilà, coup critique. En même temps, c'est tranche. Fort taux de critique. Ah, ça fait du bien de revoir ce jeu. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Oh, j'ai des trucs partout. Bon, on va soigner un peu nos poké. Bon, on va faire ce qu'on peut. Très clairement. Bon, on va mettre ça devant. Shadow. Est-ce que tu me vois d'ici? Non, pas du tout. Il m'a vu. Il lui a absolu encore. La dog est un, ok. Non. Si tu le dis. Faites chier avec votre équipement. Allez, Abri, vas-y. Je sais plus c'est dans quel jeu que l'équipement c'est bien chier avec cette dog. Je sais pas si c'était Ruby ou ça. Voire même Emerald. Et tiens, on est pas con plus. Azumarill. On va mettre les Pokémon avantagés. Ils se refont après. Majestic dépasse du truc à fond. Et Mega Drain.
tout. Là, je préfère. Allez, c'est le plaquage. C'est pas plaquage en plus, c'est souplesse. Plaquage, c'est body slam. Je suis bête. J'ai vu slam, je disais que c'est plaquage. Mais non, pas du tout. C'est pas beau, hein. Tu sais que je m'en veux, hein. C'est juste que t'es séparé par... Ça dépend d'où tu commences à surfer, je pense. Oh, mon merde, pas droit. Je crois qu'elle m'avait repéré. Ah, go, Elise. Elle est tranche, comme c'est possible. Dracofeu va avoir un peu de retard. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Oh, il y a beaucoup de Pokémon sauvages. Hein. Au final, j'ai l'impression de pas voir avancer. Ok, on esquive, on esquive. On s'en fout des dresseurs, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Je le ferai en off à la limite pour XP, mais. On n'est pas en retard, très clairement. Ah, ça c'est cool. Faut le rester. Bon, c'est qu'on s'en va là. Die the deal. YOLO. Tu peux pas faire deux pas sans que tu rentres. Foutu tentacule. Oh, genre, tu m'as repéré de là-bas, t'es sérieuse. Ils ont un radar, ces gens-là. C'est un truc de fou. Les crunch. C'est tout? Grosse pluie. Ah, je fais aucun dégât. Oh non, mais il va spammer soin en plus. T'es sérieux. Ah, il perd en défense. Je joue là-dessus. Il fait un peu de dégâts quand même. Hein. Allez, on commence à les faire mal. Soigne pas, c'est tout ce que je donne. Foiré. Ok, il fait dans ce puits vraiment en tueur. Là, on l'achève. Pas du tout. Et il perd en défense. Mais please, arrête de spammer soin. Ok, t'as raté ton attaque. Je te termine. Voilà, ça vaut mieux. Voilà, niveau
9. Ah, t'avais aucun Pokémon. C'est pour ça que c'était si dur. Enfin, dur, entre guillemets. Ok, la Dogatar. C'est des dresseurs, ça. Ok. 9, 6 aussi. D'accord. C'est la mer comme tu peux le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, calmez-vous. La Toki's Pokéball. Oh, d'accord. Ce sont juste des enfants qui courent. Alors, il y a un phare qui est visiblement fermé. Le boss est. Ok. Qui est le boss? Je ne peux pas dire son nom, mais. Son nom de famille est Mirror. C'est un dresseur, ça? En plus, il faut avoir Ticket. I wish. Jigglypuff en dodo. D'accord, c'est cool. J'ai entendu Zeus et Gryvius. Qu'est-ce que. Ok. On va soigner nos Poké. Donc, apparemment, la team Olympus est par ici. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Feu de vent, parce que je pense qu'il y aura plus de Pokémon de feu. De Pokémon de feu pour le moment. Et ensuite c'est. Et pour moi. Ok, good. La team Olympus est en train d'essayer d'invoquer un Pokémon rare à l'hôtel. Je sais pas comment dire. Le trainer, Beta Apollo et Artemis, les deux de leurs leaders sont ici. Donc ils sont mis ici, c'est bien ce que j'ai vu. Ok, bonjour. Je suis un... Ouais, les anciens tomes. Toi, je veux cacher ma région. Ah, il y a des trucs à trouver apparemment. D'accord. Donc apparemment, t'as des bouquins à trouver, puis tu peux lui rendre. Et genre, faut fouiller partout, genre les bibliothèques et tout. Non, on les a vus là, tiens, ils sont à droite. Oula, il y a du monde dedans. Quel est ton Pokémon favori? That's pretty cool. Entre les personnes qui se déplacent à 2 à l'heure et les gamins qui foncent. Il y a plein de maisons par ici. Ok, ils sont là. Ça, c'est fermé. Toi, tu dis quoi? Ah, d'accord. Non, c'est pas. Ok. Me and my brand is in the glass. Ok. Team Olympus qui peut vrai. Ouais bon rien de rien de très intéressant. Ici, ah il y a un gars caché, faut que je lui parle à lui. Autant de bonheur, booster. Oh ouais, mais ici un jeu. Ah qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah, c'est que des trucs pour les Pokémon. Ouais, c'est toujours ça. Ah, c'est pas idiot. Je pourrais le faire, mais non. J'ai pas envie. Voilà. Psst, hey, Ken. Oh. Bon, je sais pas ce qu'il veut me proposer. Il a un œuf, mais bon. Bon. Mon petit Olympus est ici, donc j'imagine que je peux les contrôler. You know what? I'm going to let you go. D'accord. Je vais te laisser passer, le boss va te parler. Bah, ils vont tous me dire ça. Ok. Et toi, tu dis quoi? Ultra Decay of Magical Energy, I'm still in it. No problem. Et oh, le cario Machopper est vigorante. Bon. Bah écoutez les amis, nous allons voir ce que prépare la team Olympus dans le prochain épisode de Pokémon Omicron. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir sur un pouce vert pour le retour, entre guillemets. Parce que je pense qu'il va quand même y avoir des absences. Les études, voilà, c'est comme ça.
Donc je disais, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à partager, à vous abonner si jamais vous voulez voir la suite. Et en tout cas, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao !